des légendaires et cabalas qui me racontaient l'Afghanistan, la Pologne et le Liban. Le soldat il connaît pas. L'information pour ces mecs-là, c'est d'effrayer le prolo, le bourgeois, à gauche, la russe d'Ayatollah. Demain, fais gaffe, il va faire froid. Et à part ça, les bancs, s'il se passe quelque chose, on vous le dira. La malbombe, ça se compte dans ma piole. Tu me dis, qu'est-ce que tu fais planter là? T'en as pas marre de ces marionnes? T'en as pas marre de leur tranche de rat? Je lui réponds, j'en ai rien à foutre, mais je veux pas rater le téléphone. Que gaspille les ailes nourriture. La malgonzesse compte dans la fiole. Tu me dis qu'est-ce qu'il fait planter là? T'en as pas marre de ces marioles? T'en as pas marre de leur tranche de rat? Tu lui réponds, j'en ai rien à foutre, mais je veux pas rater, t'es des fous. Après je me suis regardé Dallas, ce feuilleton pourri dégueulasse. Ça fait frémir le populo de voir ces enfants de salauds tirer qu'un verre plein aux as, faire l'apologie du pognon. De la classe, ils nous prennent vraiment pour des cons. Mais maintenant qu'on est socialiste, fini les feuilletons américains, on veut des feuilletons soviétiques, et même des belges, y'en a de bien. Y'en a un, c'est l'histoire du fric, qui est amoureuse d'un communiste. La malgonzesse compte dans ma piole, qui dit qu'est-ce qu'il fait planter là? T'en as pas marre de ces marioles? T'en as pas marre d'un tranche de rat? Je réponds, j'en ai rien à foutre, chérie, mais je veux pas arrêter. Avec ta télé à la con, tu vas pas faire gosser réveillé, va lui faire chauffer ce niveau. Puis si c'est pas trop te demander, faudra que tu changes la caisse du chat, ou pas sinon tu vas louper, garde quand joli t'oubliera. En arrivant dans la cuisine, je me suis dit tiens un petit Ricard, mais après mes 14 minutes, j'étais un petit peu dans le poltard, j'ai pris un grand verre de blinine, je me suis vautré dans la caisse du chat. Et dans le bouffon de la gamine, j'ai mis la surie pas ta gare. La moralité de cette chanson, elle est super à vos cheveux. C'est que la télé c'est très dangereux et le football aussi un peu. Merci Aurélie.